Non, 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 reste assis. Merci. Je te remercie de t'être déplacé. Je sais que c'est de moins en moins facile pour toi. C'est la moindre des choses. T'as promis de venir t'occuper de moi quand je vais être fini. Non. J'ai rien promis. J'ai juste dit à Elliot que j'essaierais. Vas-tu m'en vouloir toute ta vie? Oui. Puis il n'y a pas mieux placé que toi pour me comprendre. T'en as eu des patientes, victimes d'inceste? J'aime pas que tu emploies ce mot-là entre nous. C'est arrivé juste une fois. C'était un accident. Un plan haut. Toi, t'as rien fait pour m'aider à m'en sortir. Rien. Je suis parti de la maison parce que je voulais pas que ça se reproduise. Ça a été ma façon de te protéger. Non. Tu nous as quittés parce que ta belle Suzanne était déjà enceinte d'Eliott. Sois honnête au moins une fois dans ta vie, Henri. Avoue que tu serais parti de toute façon. J'ai jamais aimé que tu m'appelles par mon prénom, tu le sais. Comment voudrais-tu que je t'appelle papa? Pourrez-vous dire, faire n'importe quoi? Tu me pardonneras jamais, hein? Même si je te pardonnais. Une jeune fille oublie jamais sa première fois. Tous les hommes savent ça. Cash. Je croyais t'avoir dû gagner plus que ça. Ouais, mais faut que je m'en garde un peu pour me refaire. J'aurais besoin d'un délai supplémentaire. Je suis un bon payeur, vous le savez. Je commence à avoir des raisons d'en douter. C'est les intérêts qui m'égorgent. Est-ce que ta femme sait que tu joues? Oui. Est-ce que qu'elle sait que tu me dois beaucoup d'argent? C'est ce que j'ai cru comprendre en lui parlant au téléphone.